Et bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. J'espère que vous avez passé une très très bonne fin d'année, de très bonnes fêtes et que vous commencez cette année 2019 sur les chapeaux de roue. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année, plein de créativité, plein de jolis bricolages et puis voilà. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour tenter de gagner une perceuse visseuse Metabo. Donc suite à notre passage en Allemagne chez Metabo, on vous avait négocié quelques petits lots à faire gagner. Donc il y aura un lot chez moi, un lot chez les trois autres, enfin un lot par personne, chez Nikov, chez Mishmish et chez Lolo LJBS. Ça ne sera pas forcément des perceuses visseuses, eux ils vont vous faire gagner d'autres choses. Pour moi c'est une perceuse visseuse. Juste avant de vous expliquer les modalités du concours, je vous propose de jeter un petit œil sur cette visseuse, plus par curiosité, parce que je trouve ça rigolo et je la connais pas, donc je vous propose de la déballer. Hop là! Bon, bah pour celui qui la gagnera, j'ai déjà ouvert la boîte. J'espère que tu m'en voudras pas. Alors attends, je te ramène. Bon alors j'avais oublié de brancher mon petit micro, donc j'espère que le son aura pas été trop mauvais pour cette introduction. Et j'en suis désolé, voilà, on recommence les vidéos, on recommence l'année. Je suis pas encore au top moi. Alors pour cette visseuse, la visseuse qui est là, une petite poignée. Alors c'est une visseuse qui a pas mal de patates, hein, donc la poignée. On a deux batteries 5,5 ampères 18 volts, l'IHD, technologie, et évidemment le chargeur qui va avec. Donc chez Metabo, il y a un seul chargeur pour faire le apparemment de 14,4 jusqu'à 36 volts, mais il y a un seul chargeur, hein, que ce soit pour les 18 volts ou les 36 volts. Et bientôt, je crois qu'ils nous avaient parlé, ils vont faire une gamme 12 volts. Qui devrait normalement aussi aller sur ce chargeur là. Donc il y a un seul chargeur pour toutes les batteries, ce qui est plutôt cool. Donc la batterie, on peut voir qu'elle s'allume, on peut voir la charge, je veux dire, par ici, directement sur la batterie, ce qui est pratique. Et voilà la perceuse en question. Bon, pour ce qui est des caractéristiques précises de la machine, je te laisserai aller voir. Mais c'est une brushless, visiblement. C'est la BS18 LTX BLI. Donc un mandrin en métal. Deux vitesses. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, tiens. Ici. Alors, est-ce que vous allez voir? Je vais essayer de trouver un plan où vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ici, on a une petite molette. Et alors, bon, bah évidemment, c'est là où on choisit perçage ou alors le couple de la visseuse. Et on a une fonction ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ferai peut-être un zoom, qui est une espèce de trois flèches qui se courent après. Et ça donne ça. Et alors à quoi ça sert? On nous avait expliqué que ça sert quand par exemple on veut percer dans du carrelage et que le forêt il a tendance à glisser. Parce que tant qu'on n'a pas un petit peu amorcé le perçage, le forêt il se barre à gauche, à droite, etc. Et visiblement, cette fonction-là sert à éviter que le forêt glisse. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Voilà, alors c'est pas forcément. Enfin, c'est les coupes de perçage, mais c'est aussi les vitesses. Parce que sur le 1, là je suis en vitesse 2, mais sur le 1, et eh ben ça tourne doucement quand même. Alors, en 1-1, allez donc, tourne très très doucement. Bon voilà, je ne vais pas pousser de test plus approfondi, hein. À mon avis elle doit percer, elle doit visser, puisque c'est une perceuse visseuse. Maintenant je vais vous expliquer comment vous allez tenter de la gagner. Pour tenter de gagner cette perceuse visseuse, c'est très simple. Déjà, il faut que vous soyez abonné à la chaîne.
Vous laissez un like sur cette vidéo, vous me laissez un commentaire. Surtout, c'est le commentaire qui va tout déterminer, puisque je vais tirer au sort dans les commentaires, mais il faut que vous ayez liké la vidéo, évidemment. Et aussi, chose importante, il faut absolument que vous alliez liker la page Facebook de Foussier, l'entreprise Foussier. Donc, c'est grâce à eux que nous sommes allés chez Metabo, puisqu'ils viennent d'intégrer la gamme Metabo dans leur magasin. Et du coup, voilà, c'était pour cette occasion-là que nous sommes allés chez Metabo. Donc, c'est grâce à Foussier que nous y sommes allés. C'est grâce à Foussier que vous tentez de gagner cette perceuse visseuse. Et donc, voilà, en contrepartie, évidemment, il faut que vous alliez liker leur page Facebook. Aussi, je vous rappelle que vous avez un code réduction de 5% sur toute la gamme Metabo sur le site Foussier via un code promo dans la description. Et il faut savoir que Foussier, initialement, c'est une entreprise qui est réservée aux professionnels du bâtiment. Mais maintenant, leur site internet est ouvert même aux particuliers. Voilà, en tout cas, c'est une information qui est intéressante à retenir. Donc, je vous rappelle, pour gagner cette visseuse, vous laissez un like, un commentaire, vous vous abonnez à la chaîne et surtout, vous allez mettre un like sur la page Facebook de Foussier. Je vous mets tous les liens dans la description et également, je vous laisse une semaine à partir de la diffusion de cette vidéo et dans une semaine, je tirerai au sort pour désigner le gagnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bricolage la prochaine fois. Et d'ici là, bricolez bien. Ciao, ciao.